baninga pe pona nini ngai na kota bonganga ngai na kama mase na Yesu oye ne mokesi na nyonso baluka bakisie elo babe na maboma e kota bonganga baninga balokota makasa na kinzaza nini elongolaki na musique autre na profane pour mon musique chrétienne elo nini mais ma qui changement wana ma mère mère a maintenant une pression et on s'arrête la tête. Soit une quelle répétition dans le quartier la tête voilà qui na na Bercy voilà. Ce que vous voyez tout ça ma qui non ça m'a occupé ça canda. Il y a qu'une église, il y a qu'une église et c'était chaque jour c'était ils allaient voilà elle frappait ça comme une porte toc 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 toc. Ils n'ont pas quartier latin même jour n'ont pas mis donc tout ça teste le même jour n'ont pas mis à qui. Sont pas quartier latin. Non, papa, il y a une nouvelle écrite. Tout le même jour, tout le monde appelle le même jour. Et en allant, c'est là où Pac. Ok. Non, c'est-à-dire, il y a un moment qui s'est dit de chanter ça. Non, loin de là. Tu as une présentation de l'album Ya Magie, à Intercontinental à l'époque. Tu as un samedi, tu as un dimanche dans les folies à l'époque. Tu as une place Moro. Vivre pas ou bien ma sam, ma motogo, et le mot de ça ne va jamais. Morilobi Multiservice, votre premier partenaire dans l'import-export, livraison à domicile et facilitation des dédouanements, s'élargit davantage pour votre plus grand bonheur. Retrouvez dans notre catalogue des services Morilobi Security. Nous assurons votre sécurité résidentielle, votre garde rapprochée et le service funèbre avec l'art absolu du professionnalisme. Morilobi Multiservice, c'est aussi la vente et l'achat des véhicules de toutes marques en toute sécurité. Morilobi Multiservice, nous assurons également le nettoyage de vos maisons, vos bureaux, votre hôpital et tout autre appartement à travers notre service Morilobi Cleaner. Groupe Morilobi, Nakatia Kinshasa, avec Pepe Mbou, ma voix de bande. Pepe Mbou, ma voix de bande. Bayouma Bavida, Kala! Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro 74-76, avenue de la démocratie, ex-Huillery, dans la commune de la Gombe, ou encore dans nos succursales à travers le monde, en France, en Belgique, en Allemagne, à Dubaï ou encore en Turquie. Pour tout contact, Morilobi Multiservices, des services diversifiés à la hauteur de vos attentes. Moi, je vais appeler mon deuxième invité. Je vous laisserai pendant 5 minutes. Bo solo la penda. Tout solo. Makambo bo solo la penda makambo blague te. Yebi sai makambo bomba pona ye pona musique ne kinde liboso. Soki ba makambo bo mona pe ya ko seke zali to seka parce que on a vu qu'une seule fois. Soki toujours kazo to sepela ka mona biso bo ensemble bo ça fait plaisir. On va faire appel à monsieur Gomme, celui qui est en train de gommer. Il va faire son entrée, il s'agit de Maestro Fabregas. C'est la bénédiction de l'éternel qui a l'issue. Prends note. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous m'avez vu la bande. Vous avez la confiance dans vous. Baluka bakisie elo babe na maboma e makota bonga na baninga o balokota makasa na kinzaza raza o kanga mana Yesu e ye mopesi na nyoso e umono yo lele o yo ya ye mais bien bien Malako il a vraiment inspiré beaucoup. Mettez-vous. C'est, en fait, je comprends pour, quand je suis en interview tout à l'heure. Bonjour, bon dimanche. Bonjour, maestro. Moi, je vous laisse. J'arrive après 5 minutes. Voilà, c'est pour le trio. Faut vous voyez, ma fort. C'est ma. J'arrive. Parlez entre vous, en tout cas, parlez entre vous. Et bien, c'est ma rambo. Comment on est là, la paix. Nazamoupanzi. Charlie Prince. Bon, en attendant, on va créer une place pour moi. C'est qu'on a compris pourquoi on a l'interview. On a compris le pourquoi.
aza parmi bato yo ba pesanga goût ya musique parce que en fait d'ailleurs tu pas Reddy Amis. OK. Donc c'est Reddy, c'est quelqu'un pour moi, c'est un grand chanteur, donc je comprends les pourquoi aussi. C'est grand chanteur. Mais ma question serait peut-être, bon, ma curiosité, ma question de curiosité serait peut-être pour de savoir Nini et Longola qui ont la musique autre que la profane pour la musique chrétienne. Et là, Nini, le même qui au changement. Ma mère. Mère, avant d'autres, j'ai l'impression qu'il y a un saralaté. Soit il y a une répétition dans le quartier, la tête, qui est à Bercy. Ce qui est au Zongi, après, il y a un peu dans l'ancien, il y a un tchatchoko. Non, mais pembe. Mère, elle a dit non, Zamba, on quitte Kanda. Il n'y a qu'une église, il n'y a qu'une église. Et c'était chaque jour, c'était. Ils allaient là. Elle frappait ça comme une porte. Toc, 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 toc. Église, église, église. Bon. Tant au quartier de la Teke, pour tout ça, l'album, il y a V12. On a dit bon, je vais faire plaisir à ma mère. Je vais quand même commencer à aller à l'église. Et en allant, c'est là où Pac. Ok, je comprends. Bon, je comprends, je comprends. C'est beau parce que tu sais, souvent, les chanteurs chrétiens, bah bon, là, souvent, mon thème, c'est Cécile, quoi. Ok. C'est-à-dire, ben, là, dans les abonnés, vocation. Merde, t'as imposé quoi. C'est bien, j'étais curieux de savoir le pourquoi parce que, bon, Bartiste, on a la vivre, ben, jeunesse, on a la colle dans son, ben, moi, il y a la musique chrétienne, tu en fais partie. Ok. On a curieux, ben, pour la nuit, t'en as un qui est au côté de la quartier, parce que moi, je connaissais pas tout ça. Ok. On a eu que le bon, on a commencé le tirer, et là on est sur la raque, et ça a été le bon, on a mis tout ni. Parce qu'il y a eu que tu as la raque ici, je sais que tu as la raque, je ne vois pas pourquoi on a eu la raque alors que là on a la studio, là on travaille ma mélodie, dans ça sous promo, donc je ne comprends pas tant on attend la raque ici. Dans le côté quartier latin, même jour on a pompon miyak. Donc tout ça teste le même jour on a pompon miyak. Pompon miyak, j'entends quartier latin ? Non, pompon miyak, il y a une nouvelle écrite. Ah ok. Ah. Tout le même journée, tout le monde fait le même journée. Il y a qu'une nouvelle écrite. Donc voilà. Ok. Non, c'est-à-dire, ils ont un moment qui s'y tient de chanter ça. Non. Okay. Loin de là. Okay. Et puis, il y a eu ça. Jamais au monde, tu as ta présentation album, il y a Magie, na, à Intercontinental à l'époque. Tu as ta samedi, tu as ta dimanche, tu as ta folie à l'époque. Na mon tu place Moro, Vieux Mopao, bien Bassam, Mabodogo, et l'autre mot, mais tout ça, mais jamais. Ok, non, j'étais juste curieux de savoir. Non, merci non, moi pour je ne crois pas à cette histoire-là. Merci beaucoup. Moi, je ne crois pas à cette histoire. Et puis, j'aimerais savoir aussi, j'aimerais savoir une chose. La musique que vous faites aujourd'hui, quand tu vois les jeunes dire que tu les as inspirés, parce que moi, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de gens. Qui disent à la télé que je les ai inspirés. Et quand tu entends ça, que tu as inspiré la jeunesse, ça me fait énormément plaisir. Je dis que j'ai pas fait un travail en vain. J'ai pas jeté la graine sur les épines, mais sur une bonne terre. Donc voilà. Ok. Mais est-ce que tu peux avoir qu'est-ce que tu dirais de la génération qui suit derrière, qui font la musique que tu fais? La musique gospel. Moi, la musique chrétienne, on va dire. Oui. Bon, on a un problème. Moi, je le dis toujours, hein, on est bien. On n'a pas de bon chanteur dans le gospel. Vous voyez, on a quelques bons chanteurs. Mais on n'a pas de chanteurs où à yemiboui, où tu waouh. Non, tu n'as pas monté. Moi, je ne te parle pas des chansons, je te parle de la musique. De la musique. Les gens qui font de la musique chrétienne. Bon. Qu'est-ce que tu leur suggères? Qu'est-ce que je peux leur dire? D'abord, tu dois être toi-même. Quand tu fais la musique, qui vient du fond de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais pas. Il y a un problème dans la musique chrétienne. À un certain moment, tout le monde voulait chanter comme Papa Alain Monoto. Genre. Chorale, maintenant il y a des gens qui influencent cette musique facilement. Moi je dirais aux jeunes qui viennent de faire sortir ce que tu as à l'intérieur de toi. Ouais. Pas, tu peux avoir un modèle, mais tu peux pas faire comme cette modèle. Je comprends. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si tu écoutes même la musique commence, tu dis oh, ça c'est Pasteur Moïse, mais quand tu écoutes, c'est pas sa voix. Mais tu diras non, j'aime tellement le Pasteur. Oui, tu aimes bien Pasteur Moïse. Mais tu ne peux pas faire comme lui. Moi, je dis le cachet d'un homme, c'est comme sa carte d'identité. Si on regarde ta carte d'identité, non, ça c'est Fabregas. Si on regarde ma carte d'identité, non, ça c'est le coffre. Mais tu ne peux pas faire tout comme la personne. Tu peux t'inspirer, mais tu ne peux pas trop copier, voilà le mot.
Okay. La jeunesse aujourd'hui copie un peu trop. Voyez, vous voyez, toi tu as ton identité. Quand quelqu'un écoute, il y a Boye Zalate. Et jusqu'à l'écoute, il dit ah, ça c'est fab. Vous voyez, mais moi, voilà. Même si je chante pas Innocent Mouin, même si je parle à Chouchou, quand tu écoutes, bah, mais ma gueule est cool, souvent, ne colle ben yama. Lokola be bwele ba kome ma ba kata kingoi ya tani ngwa ya kote. Oui, quelqu'un dit ah là c'est voilà, c'est facile. C'est facile. Mais maestro, moi je voulais te demander une question. OK, pas de problème. Il y a boye zalate. Boka mona kata tiroir. Non, ezali c'est ezali. C'est parmi tes meilleures chansons. Merci. Sauf que c'est un morceau, c'était un impro. Déjà, ouais, qu'on a fait. C'était dans mon premier album, je crois. Oui, c'était le premier single de mon album. En fait, je voulais sortir de l'ordinaire, faire un titre qui ne ressemble pas à mes titres. Parce que c'était un avec album Massika, album d'un grand solo, donc je suis venu par là. Mais je le ferai anytime pour. Mais non, ça reste toujours dans. Quand tu écoutes, il y a l'ADN Fabregas. Tout à fait. Oui, c'est pas mal. Mais après, je comprends pourquoi ça te frappe plus, parce qu'il y a un peu de. Comment le coffre dedans. Non, mais même pas ça, mais c'est très belle chose. Mélancolie. Bon, qui dit que Malokov et qui dit mélancolisme. Voilà. C'est, voilà. Je suis pas forcément censé de faire comme toi, mais il y a cette table mélancolique. Tu tournes autour de cette mélancolie. Voilà, ça c'est mon. Mais tu tournes là c'est toi. C'est... Maintenant, dans le nouvel album, Gomme, il y a des morceaux qui a cette sorte de mélancolisme. Tu as déjà fait le clip? Non, pas encore. Même sans l'altesse, par exemple. Ok. Je commence. Kangami soma, toi, pe mon corps. Kota katina yo. Oye banini na sali yo yamabe. Moto malamu. Aye banaka so kya sali mabe. A reconnaître. Reconnaissance en moyoana. Tunanga nini Arthur. Nini amabe na salio pousa na pene bonio zokimanga mwasi na yo monguna na yote uta yo kene ba pasi ba souci ba malheur na ba détresse et déclara nationalité na bango. Mais là t'as ajouté avant y avait pas. Avant y avait pas. C'est un peu de. Ça, je piquais ça un peu de la mode ionienne. Tu vois, ionien comme un peu. Voilà, c'est ça. La malheur n'a pas d'entrée et déclara nationalité n'a pas de. C'est la montée, madame. Ketcha, misérable, crapaud. Mendoïa, papa, la maman. Bonjour, balola, les sous. Benina, pota, ya kala. Atakoutou, ba prisonnier. Ba pe, saka, ba mata, vous moulez. Pour mon colo, il est quand. Kola bolo kona esila kasi na bolimo na yo na le nyama ta vumulete bolo kona ndimi kasi liwana yo kinoze zuwa ngai nyoso ta lokola yobo ba deponso salila kangai ba bizu karese zuwa yo kene mubembo mulai kino liwangala kulanda yo. On va se lever. Merci à vous. Levons-nous. Je suis très fier de vous, c'est sûr, cet après-midi. En fait, tu sais, la conversation était trop fluide. Parce que Elmi Dongi était à tout à la bouche. Ah, mais non. Ah. Parce que c'est un vrai artiste. Ok. On m'a dit que l'année tout à l'heure, on a terminé. Je me suis dit que je mélangé, je me suis dit que c'est un arté. Ok. Parce qu'il estime que c'est un artiste. Parce qu'à personne, il y a un haut. C'est-à-dire, quand on est en bas, on a un haut, on a un haut, on a un haut. Ok. C'est-à-dire, moi, tout à l'heure, on a dit que c'est pas moi, je vois là. Parce que c'est pour aller plus loin. Il comprend en fait d'un hiver. Dans le monde, les lots, Rumba est comme les côtés de notre patrimoine. Il y a une matière, UNESCO. Parce qu'au plus, on va te l'envoyer à Rumba. Tu vas censé te battre parce que. Dans les lots, voilà. Et quand on commence à Rumba, c'est universel. Dans la tout à l'heure, Boswana, frère Thomas, le coffre, Absuabi. On a richesse dans son arôme. Jusqu'au Ipsi. En fait, dans les Ipsi Rumba International, il y a un PC au Bayamado. Parce que quand on va lire Rumba, tu as dit que tu as un Rumba. Et dans l'ensemble, on a un package. Il y a un trône dans Rumba. Parce que, animal, on va nous faire un Rumba, les lots. Donc, si tu mets un Rumba,
et qui va reconnaître un rhume, est-ce qu'on a comme si rhume international, on élève la certification rhume comme IP. Est-ce qu'on peut s'en jeter un rhume, plaisir toi. Ça dit ce qu'on veut, rhume à toi, bien nous. Tout peut s'en va couler, on a un peu de rhume qui est dans la pièce tête, tout ça, tu poses. Non, serrez-vous, on va dire au revoir à notre frère Thomas. Merci beaucoup, sinon merci la à toi. La promesse est dédiée. C'est que l'on t'a promis, Pélé Pana. Non, nous avons pas mal de gants. Dans le bébé qui m'a dit. C'est que l'on t'a promis, Pélé Pana, t'es donné. C'est que l'on t'a promis, Pélé Pana, c'est réalisé. Oh. Ainsi dit l'Éternel, Soukassé, Kokisama. Et le Biawe, Soukassé, Kokisama. Mais pas de nuit, on a eu bien voir. Merci, frère Thomas, on vous dit au revoir. Merci beaucoup. Je vais t'expliquer, mais le temps de suivre fait Thomas partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez votre place, Maïs. Prochainement. Ok. On va se mettre maestro. Parce qu'on a une manière communicationnelle. Oui, on va dire. Quoi, viens, voilà.